C'est avec forte émotion et grande joie pour moi de prendre la parole au nom des vaillantes et laborieuses populations de la préfecture de Dankpen pour vous souhaiter, Excellence, Monsieur le Président de la République, la chaleureuse et cordiale bienvenue à Tanyamboul, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Président de la République, saisir cette occasion solennelle de remise symbolique du tout premier chèque, que dis-je, du tout premier crédit de plus de 95 millions de francs CFA accordé par la Société Générale du Meso Finance avec l'appui de l'ANPGF aux productrices et producteurs de riz de la zone d'aménagement agricole planifié de Tanyamboul à la suite de la facilitation à l'accès au crédit menée par le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques MIFA et agriculteurs sur la table Tanyamboul. Quelle culture pratiquez-vous sur votre parcelle? Je produis le riz. Avez-vous un marché pour écouler vos produits? Je ne trouve pas de marché pour pouvoir écouler mon riz. Bon, MIFA est là pour vous accompagner. Bien avant de vous accompagner, permettez-nous de déterminer les dimensions. Sur l'agriculteur, le conseil en exploitation va procéder à la géolocalisation de la parcelle. L'exploitation va évaluer les besoins en intrants et l'accompagnement et mettre en place un dispositif. Sur les cartes figure la photo de l'agriculteur, les informations sur sa pièce d'identité, c'est l'ANA, avec les photos de cette pièce d'identité, la géolocalisation de l'exploitant, la géolocalisation de chacune des parcelles de l'exploitant, les informations sur les antériorités de maladies ou d'autres affections, toutes les informations utiles sur son disponible de crédit. Financière, c'est lui.
Mifa, c'est Mifa, des prêts à la banque, c'est Mifa, soutien technique, c'est Mifa, priorité du président fort, c'est Mifa, excellence, monsieur le président fort, merci, mais le marchand premier engage, vous souhaitez la bienvenue au Mifa.